plaisir de pouvoir la rencontrer parce qu'un de ses sujets principaux, c'est la formation. Et nous, ici, on a un objectif de formation, on va dire, d'excellence. Donc, on était vraiment au cœur du sujet. Donc, c'était le bon moment de se rencontrer. J'ai trouvé qu'elle était à l'écoute et aussi qu'elle s'intéressait à nous, à l'exploitation, parce qu'elle avait beaucoup de questions et des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé nous à parler. Comme parler de nous, on n'aime pas trop ça. Donc s'intéresser un peu à nous, à notre passé, notre histoire. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'elle s'implique et qu'elle a envie de comprendre comment on en est arrivé là. On l'a vu très intéressée par le produit, elle s'est arrêtée quasiment à chaque étape à bien regarder les différents gestes qui étaient réalisés. Elle a posé des questions aux différentes personnes qui étaient concernées par les différentes opérations, donc je pense qu'elle a apprécié ce qu'on faisait. On a cette volonté politique d'avoir de la culture dans tous les territoires et notamment dans les territoires ruraux. Donc comptez sur nous pour poursuivre ce qui a été fait précédemment. C'était important de rencontrer la présidente dans un autre cadre que celui pré-élection. Et c'est à ce niveau-là que ça m'a paru intéressant de venir l'écouter et puis apprécier ses qualités d'orateur et ses qualités de personne en tant que telle. Je trouve que c'est une opportunité qu'elle soit venue à notre rencontre. Elle est attentive, elle est à l'écoute et que du coup on peut se permettre d'aller vers elle en fait. Donc ravie.